Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, bienvenue à ce nouveau numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Cette journée a été fructueuse en termes d'âmes gagnées. Le pic a été atteint aujourd'hui. 485 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ en réponse à la prédication du pasteur Boniface Meynier, qui poursuit l'expression de son fardeau pour le salut des âmes au cours de ce grand rendez-vous. Nous avons comme total 2012 âmes gagnées au Seigneur, les 24 jours déjà écoulés de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et en termes de points, nous voulons rappeler ou préciser à nos téléspectateurs que 2810 démons ont été chassés, 553 personnes ont été guéries authentiquement, et nous comptons plus de 3500 témoignages rendus au cours de ce programme de points qui démontre l'action manifeste de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et les attentes rattachées à ce programme sont effectivement en train d'être satisfaites. Et plusieurs de nos frères suivent ce programme ici sur le site étant de la Côte d'Ivoire, mais les échos de ce grand rendez-vous ont traversé les frontières de la nation, et nous avons, par la grâce de Dieu, accueilli une forte délégation de nos frères venus de l'extérieur du pays. Notre invité de ce jour, ou notre premier invité de ce jour, fait partie de ces personnes qui sont dans ce profil de frères venus de l'extérieur pour participer à ce programme. Mais soyez-en sûrs, et bien entendu, elle a une histoire particulière avec les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, histoire que nous allons égrener au cours de la première partie de notre émission. Notre invité du jour, ce sera certainement un visage connu pour la plupart d'entre vous, notre bien-aimée sœur, princesse Samassi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, frère. La sœur princesse Samassi, c'est notre missionnaire de la CMCI entre l'Angleterre et la Turquie, et nous fait l'honneur aujourd'hui d'être notre invité. Les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous avez une histoire particulière, comme nous l'avons dit aux téléspectateurs. Votre dernière participation présentielle date de 2016. Oui. Voilà, et là nous sommes en 2022, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Participer en présentiel encore à nouveau à cette croisade, il y a certainement des mots qui montent à votre cœur, et qu'est-ce que ça vous fait? Oh, ça me fait plaisir d'être là. Mm-hmm. Il faut dire que regarder en ligne et être sur place, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. Les autres fois où j'étais pas là, j'irais dans ligne, mais aujourd'hui je peux sentir la chaleur des frères, je peux vivre les événements et je peux participer moi aussi à la prière. Et vraiment, c'est bien d'être sur place que de regarder ça en live. Voilà, donc l'appel est déjà lancé. C'est vrai, la RTVC fait tout pour vraiment mettre à disposition cette croisade à tous ceux qui sont vraiment dans l'incapacité d'être présents sur le site. Mais comme notre invité du jour vient de le préciser, participer en présentiel a un plus qu'il faut expérimenter. Alors vous pouvez faire comme elle est venu de la Turquie, vous pouvez suivre son modèle et venir participer en présentiel. Il reste encore près de 16 jours, je dirais 16 jours, donc ce n'est pas encore perdu. Vous pouvez vous rendre ici sur le site d'Atiekwa. Vous avez une histoire particulière avec les croisades. Oui. Et les choses ont commencé en 2015. Oui. Vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ dans la même année, quelques mois ou je dirais un mois plus tard, la croisade s'ouvre. Et le Seigneur vous a fait récolter de grands fruits. Nous allons commencer par parler de la restauration de votre couple. Bien, merci, frère. Il faut dire que je me suis mariée en 2015, le 8 janvier, en Chine. Et je viens à vacances à Abidjan. Et il faut dire que je viens d'une famille de chefferie. Nous sommes en Afrique et mes aïeux, mon aïeux était chef de chef, mon ancêtre chef de chef, mon grand-père était chef de chef, c'est-à-dire d'Issia, et c'est de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas de mariage dans ma famille. Donc, du coup, quand je me marie,
C'est un vrai défi que je l'ai confronté. Parce que mon père n'était pas marié, ni ma mère, ni mes oncles. Personne n'était marié dans notre famille. C'est-à-dire, on faisait des enfants comme ça, chez les parents et tout et tout. Et c'est comme ça, je croise mon mari, nous nous marions et je viens à Abidjan. Déjà, quand je rentre dans ce lien de mariage, il y a beaucoup de perturbations. Je te donne un exemple. Si je quittais l'Angleterre et si je quittais la Chine pour aller en Angleterre directement, c'est-à-dire le mariage n'avait pas existé parce que les attaques étaient telles que mon mari, son argent disparaissait de sa poche. Une fois, il avait mis l'argent dans l'enveloppe pour aller à l'église et la dîme a disparu de la voiture. Souvent, il avait des apparitions dans sa chambre. Donc, c'est-à-dire si je partais avec lui, parce qu'on n'avait jamais vécu ensemble en tant que chrétienne. Si j'ai parlé avec lui, que son âme disparaissait, elle a dit, mais ça, c'est une voleuse. Donc, c'est les choses qui lui arrivaient. Et puis, les disputes, on disputait au téléphone. Et comme j'avais dit, il y a longtemps que je suis chrétienne, mais j'avais un problème avec l'immoralité sexuelle. En ce sens que, quand je disais que j'allais vivre la sanctification, un an, deux ans, mais quand j'ai une visite du mari de nuit, oh my God, en tant que chrétien, on n'a pas de copain, n'est-ce pas? Donc, les anciens pointeurs, là, je vais chercher un pour renouer, tu vois. Donc, j'avais ce problème. Je priais le Seigneur pour qu'il m'aide. Donc, après mon mariage, il y avait ces signes-là. Les signes. Ces signes-là qui... Et l'amour de mon mari qui n'était pas ça. Je voulais tout de suite divorcer pour un peu. Je regrettais. Donc, il y avait ce problème. Donc, il faut préciser que ça montre que... parce que nous allons parler de principauté. Mais ce sont des signes qui montraient que... Il y avait un problème. Une infirmité en rapport avec le mariage dans la famille. Il y avait un sérieux problème. Oui. On peut pratiquer l'immoralité, il n'y a pas de problème. Mais dès que le mariage, comme Dieu le veut, entre dans la famille, il y a tout un tas de problèmes. De problèmes. Il y a tout un tas de problèmes. Et c'est comme ça, j'avais mon oncle. Lui et moi, nous sommes venus ensemble dans notre œuvre. Hein. On était baptisés ensemble. Lui, c'était missionnaire. À Divo, mais il est mort. Aujourd'hui, il perd à son âme. Ça se dit, père à son âme. Bon, c'est juste une il allait dans la gloire, oui. Mm-hmm. Il allait dans la gloire. Et c'est ce monsieur qui allait se balader et il croise le pasteur Alvin. Mm-hmm. Alvin Dongui. C'est cela. Qui avait le livre du brisement de liens. Et c'est comme ça, il dit, ah, ton livre m'intéresse. Et les deux commencent à causer. Et il dit, j'ai ma nièce qui vient de la Chine. On va, parce qu'on s'apprêtait à aller au Ghana pour la délivrance. Mm-hmm. Pour tout ce que je traverse comme problème et tout ça. Et c'est comme ça, elle dit, moi, je peux l'aider. Et donc, mon numéro à la dame, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je suis le pasteur Alvin, j'ai la solution à ton problème. Je commence à rire, mais Dieu n'a pas eu la solution à mon problème, c'est un homme qui a la solution à mon problème. Elle dit oui. Et c'est comme ça, je vais la voir. Elle insiste, je suis venue la voir. Et c'est là qu'on me parle de la vraie repentance. J'embrasse la vraie repentance. Tout de suite, je dis, mais je suis chrétien, je n'ai pas besoin de repentance. Et le pasteur insiste. Et je dis, bon, écoute, trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est ce que je lui ai dit. Et on fait la repentance. Après la repentance, on fait le brisement des liens. Les yeux s'ouvrent. Déjà, quand on a fait le brisement des liens, je fais un rêve. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les rêves. Juste un rêve qui fait comprendre mieux ce que vous êtes en train d'expliquer. Ok. Je fais un rêve. Dans le rêve, c'est comme si j'avais un mari. Dans le rêve, qui voulait tuer mon mari actuel. Et je n'étais pas content. Il était fâché. Pourquoi tu t'es marié? Tu ne sais pas qu'on ne se marie pas dans la famille? Pourquoi tu t'es marié? Je ne suis pas d'accord, je vais le tuer. Et je lui ai dit, bon, écoute, allons, on parle ailleurs. Ce monsieur, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ce monsieur. Il était vraiment énervé. Et il avait une autorité sur moi. Alors, on se déplace, on va dans les restaurants. Et je lui dis, bon, écoute, je vais aux toilettes. Et quand je monte dans mon bureau, je tombe sur le livre du brisement des liens. Et quand je prends, dans le rêve, quand je prends le livre du brisement des liens, quand je tourne ma main, je vois, je porte deux alliances. Je dis, mais qu'est-ce que pourquoi je porte deux alliances? Et dans le rêve, je me rappelle d'un rêve que j'avais fait quand j'étais en Chine. Bon, là, c'est un peu bizarre parce que c'est un membre de la famille que j'avais vu dans le rêve qui voulait m'épouser. Donc, je dis, attends. Donc, j'ai compris dans le rêve que la première alliance, c'était une alliance d'un démon familial. Et la deuxième alliance, j'ai reconnu, c'est l'alliance de mon mari. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon faiseur des disciples, qui était pasteur Hassan, qui me conduisait au brisement des liens. Et on a fait le brisement des liens. Mais après le brisement des liens, il y a eu la guerre dans mon rêve. Une guerre incroyable.
où j'ai vu un membre de ma famille qui criait « Oh, nous l'avons perdu !» Depuis que nous sommes ici, jamais personne n'est sorti de cet endroit. Elle a fait comment pour sortir? Et là, déjà, j'avais commencé à avoir des victoires. C'est cela. Et après ça, je tombe dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Une bataille à un niveau supérieur, yes. Renversement des principautés personnelles et familiales. Yes. Déjà, les premiers signes de victoire sont déjà clairs avec ces songes que vous venez de partager. Mais un déclic se crée à cette croisade. Le Seigneur achève le travail qu'il avait commencé par rapport à votre mariage et la restauration de votre vie de couple. Oui. Maintenant... pendant la bataille, déjà après le brisement des liens, mon mari aussi, on lui fait un brisement des liens en ligne. Et déjà, on comprend qu'il y avait un problème. Déjà, après le brisement des liens, on a compris tout de que tout ce qui se passait entre nous deux, il y avait un esprit derrière. Et on a commencé à faire attention. Déjà après le brisement des liens, l'argent ne disparaissait plus. Et notre couple a commencé à se restaurer. Et on a commencé le renversement des principautés personnelles et familiales. C'était en 2015. Dans la même année, 2015. Et pendant le renversement des principautés 2015, il y a une principauté de mon village qui est tombée. Alléluia. Et je vais dire seulement un seul rêve pour que les gens comprennent que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. L'apôtre Paul a dit, si tu meurs dans la chair, le combat n'est pas charnel, mais les spirituels. Parce que nous dealons avec les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est vrai qu'on marche dans la chair, mais derrière cette chair, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je me retrouve dans un village, dans une vision, pendant le renversement des principautés, les premières semaines. Je me retrouve dans une vision où je suis en face d'un géant, mais qui avait la peau déjà taillée. Et c'est comme il était enterré et il s'est réveillé comme un zombie, comme les films d'horreur. Il dit, ah, excusez-moi du terme, ah, je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi. Il dit, comment ça? Mais mon frère, je cours, hein, ça ne coupe pas. C'est quand je cours, il est là. Je cours, il est là. Après, je me suis épuisé. Et je dis, mais pourquoi je cours? Je vais m'arrêter. Et je fais face à ce géant. Il dit, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, il faut que je cours. Mais quand je vois, il est hideux, vilain et sale. Il veut coucher avec moi. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai marié toutes les filles de la région. Tu n'as pas le droit de te marier. Il faut que je sorte avec toi. Et je dis, non, tu ne peux pas sortir avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, ferme ta bouche. Et j'ai commencé à parler en langue. Le monsieur tombe sur son front. Et je commence. Quand il tombe, il y a une piste qui s'ouvre. Parce qu'on est en forêt. Et je cours. Je sors de la forêt. Je croise les chefs et les rois. Les rois à Caen. Comme on porte les... Chez nous, il n'y a pas de rois, c'est des chefs, comme je dis. Mais les à Caen, je croise des rois à Caen qui se prosternent. Et je passe. Je croise des chefs. Comme les chefs de chez nous, ils se prosternent. Je continue la route. Je croise les pêcheurs. Ils se prosternent. Après, je croise des chasseurs. Les chasseurs se prosternent et je suis sur le goudron, c'est-à-dire sur le bitume. Là, je trouve une police blanche, une armée blanche, des blancs. Et quand je tourne ma tête, je vois le géant qui s'est levé. Mais là, les gens le lient. La police blanche le lie et on l'enferme. Et je me réveille. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que, en fait, la principauté, comme les démons, leur rôle, et je veux que tu comprennes ça, et je veux que tous les spectateurs comprennent ça, le rôle des démons dans la vie, c'est pour nous, pour s'assurer qu'on part en enfer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, allez-y, chassez les démons, guérissez les malades, prêchez la parole. Si les démons ne sont pas chassés, on ne peut pas avoir une vie chrétienne stable. C'est ça. Parce que l'instabilité que je vivais avant de venir à notre œuvre, la CMCI, c'était dû à ce démon-là. Comme je te disais au préalable, quand j'avais des attaques des soi-disant esprits mauvais qu'on appelle mari de nuit, c'est là l'esprit d'immoralité sexuelle me dérange à chaque fois que j'ai la visitation. Mais j'ai compris que le démon et cette principauté veillent à ce qu'on parte en enfer. Un homme pauvre qui est lié par les démons de la principauté de pauvreté, il sera un frère aigri à l'église. Il ne sera pas cette source de bénédiction. Il sera un frère qui murmure. Et tu comprends, il va vivre dans le péché. Et c'est ce qui rate, s'il n'est pas vraiment affermi, c'est ce qui rentre en enfer. C'est pourquoi les principautés doivent renverser. Et le rôle de ce démon était pour maintenir non seulement sa la famille dans le célibat et dans l'immoralité sexuelle.
Donc, comme je disais, quand j'étais délivré de ce démon. Après avoir prié pendant, oui, c'est pendant la croisade. De 2015. De 2015. Mmh. Et quand ce Goliath tombe dans ma famille. Les fruits sont d'abord l'attente dans mon foyer. Mmh. La compréhension et la paix. Et mon mari est venu vers la fin du renversement des principautés. Et le leader, qui est Pasteur Meunier, nous a rebénis, nous a remariés. Alléluia. Pour stabiliser le mariage. Et c'est comme ça mon foyer a été stable. Et j'ai pu rejoindre mon mari en Angleterre. Alléluia. Ça, c'est déjà une grande victoire. Et nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage qui montre clairement ce que c'est que les principautés et leurs travaux, leurs œuvres dans la vie des hommes, tant des non-croyants que des croyants. Comment est-ce qu'après avoir prié, le Seigneur a agi pour renverser ces principautés et la manifestation des résultats de cette prière pour le renversement des principautés dans votre vie pratique, donc votre foyer est restauré, vous êtes, je dirais, marié cette fois-ci sur une nouvelle base, c'est-à-dire sur le fondement de Christ, et Dieu bénit votre couple, vous devenez missionnaire, et là c'est vraiment la cerise, ou je dirais le summum de la bénédiction auquel on peut s'attendre en tant qu'être humain, être membre de l'administration divine, c'est vraiment une très bonne nouvelle, mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Après la restauration de votre couple, il a continué d'agir et les membres de votre famille ont aussi bénéficié de cette grande victoire, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Comme on reste dans le cadre du renversement des principautés par rapport au démon du célibat, mm-hmm. le mari géant qui dit avoir épousé la famille. On va rester dans ce cadre-là. Mm-hmm. Parce que j'ai eu plusieurs victoires. Mais on va rentrer dans ce cadre-là pour que les spectateurs comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Mm-hmm. Alors, ma mère, en 2015, après le renversement des principautés, je vais voir ma mère et je lui parle de la repentance. Elle donne sa vie à Jésus. Alléluia. En 2015. Et mon père qui est venu, qui dit non, je suis diacre dans une église, non, ça ne m'intéresse pas, et qui refuse en 2015. Alors, en 2016, je reviens pour le renversement des principautés. Et cette fois-ci, c'est pour prier pour la conversion des membres de ma famille. Mm-hmm. Après ça, tu sais ce qui s'est passé avec mon père? C'est pourquoi je dis, quand le pasteur Menedi, priez pour que Dieu envoie les vrais missionnaires dans vos familles. Priez pour que l'évangile rentre dans vos familles. J'avais pris ça à cœur. Et j'ai dit, Seigneur, parce que mon papa ne voulait plus revenir à l'église et tout ça et tout ça. Et je priais pour que le Seigneur envoie les missionnaires dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, quand je viens, je l'envoie des costumes, des habits. J'ai dit, écoute, papa, maintenant c'est un frère. Mm-hmm. J'ai dit, papa, écoute, je t'envoie des habits. Il dit, oh, il m'a évité. Donc, après le renversement des principautés, mon papa qui se rend à Grand Laou, il était parti pour réhabiliter les écoles. Mm-hmm. Et il se trouve en face du missionnaire de cette région. Mm-hmm. Et il a entendu une voix qui dit, va prier avec le monsieur, parce qu'il ne partait prier ailleurs. Mm-hmm. Et il dit, monsieur, j'attends une voix qui me dit de prier avec vous. Il dit, oui, on prie chez nous à la maison, que je suis missionnaire. Et il se rend là-bas. Donc, pendant la prédication, il dit, c'est une missionnaire qui avait prêché ce jour-là. Son cœur était touché. Il a donné sa vie au Seigneur. Après, il demande c'est quelle église. On lui dit CMCI. Il commence à rire. Il dit, attends, CMCI, où se trouve votre base? On dit, non, ça n'a jamais liberté. Il dit, mais ma fille est missionnaire dans votre œuvre. Et c'est comme ça, il m'appelle. Il dit, chérie, tu ne vas pas deviner. Il dit, qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, tu ne vas pas croire. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis à CMCI. Il dit, comment ça? Donc, je dis, passe-moi le pasteur. Quand le pasteur dit, sois béni, j'écris, ah, gloire à Dieu. C'est comme ça mon père se donne. Mm-hmm. C'est comme ça mon père se donne. Alors quand mon père se donne, mes tantes, mes cousines, et c'était des miracles comme ça. Mm-hmm. Comme une tante comme ça qui va à Yamoussoukro pour se faire opérer. Et les voisins étaient de notre œuvre. Mm-hmm. C'est-à-dire que le voisin de son fils était des missionnaires de la CMCI. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que le Seigneur a orchestré les circonstances pour mettre en contact et pour prouver que c'est la prière que nous faisons. C'est cela. Il nous amène dans notre œuvre. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça mon père se donne. Alors, quand mon père se donne, le Seigneur m'a dit, prie pour la totale restauration. Prie pour la totale restauration. Je t'avais dit que le jeune était mort, qui était à la base des divorces et du célibat dans la famille. C'est ça. Mon père, quand il a laissé ma mère, il a eu 3 femmes. Avec plusieurs enfants. Ma mère, quand il a laissé mon père, elle a fait 3 enfants avec 3 différents hommes. Mais ils ne se sont pas mariés. C'était des concubins. Donc, chacun a eu sa vie particulière. Donc, elles sont réconciliées,
à notre et au Seigneur, les deux reviennent ensemble. J'ai prié totale restauration pour moi et ma famille. Le Seigneur m'a dit de prier totale restauration. Mais je ne savais pas que le Seigneur pouvait restaurer 35 ans de mariage. Mon frère, wow. 35 ans de mariage. 35 ans de mariage. J'avais 2 ans quand papa et maman sont séparés. Eux, ils étaient mariés et ils ont divorcé. Après 35 ans. Dans la 34e année, j'appelle mon papa. Pour lui dire, mais papa, tu n'es pas marié, maman n'est pas mariée. Il dit, oui, que mon faiseur m'a dit de récupérer ma femme, parce que parmi toutes les nombreuses femmes que j'ai eues, c'est elle que j'ai mariée. Et quand j'ai appelé ma maman, elle m'a dit, oui, mon faiseur m'a dit de les faiseurs l'avaient préparé. Et les deux sont remariés. En fait, c'était au-delà. La Bible déclare que le Seigneur a demandé à Ézéchiel de ressusciter des ossements, des ossements desséchés. Il n'y avait plus de vie. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère causer. Jamais. Les deux étaient. Une fois j'étais malade, mon père est venu à mon chevet. Il dit à ma mère, toi la sorcière, tu es ma fille. Toi le sorcier. C'est-à-dire que des ennemis aujourd'hui qui sont des amis, qui sont unis. Parce que le démon, la principauté qui avait dit que cette famille ne devait pas se marier est tombée. Alléluia. Mes tantes se marient. J'ai une tante qui me dit, tante, une vieille tante qui me dit, ah, parce que mon père bébé ma famille, bébé, envoie-moi l'argent, on me dote. C'est-à-dire que les tantes sont dotées. Les oncles ont pris les enfants des gens depuis longtemps. D'autres, mes neveux, mes nièces, tout le monde se marie. Alléluia. J'ai dit, même cette année, il y a eu 2 mariages dans ma famille. Alléluia. Quelque chose qui était impossible est devenu possible. Pourquoi? Parce que les démons sont tombés. Alléluia. Tu sais, lorsque le Seigneur te délivre, tout ce que le ciel t'a octroyé devient facilement. Le mariage venait facilement dans la famille. Même les personnes divorcées s'y réconcilièrent parce que le Seigneur a triomphé. Alléluia. Donc, la principauté du célibat a été renversée. La famille, c'était une principauté qui régnait sur la famille. Et pour nos téléspectateurs qui ont suivi, le songe qui montrait comment est-ce que le Seigneur a renversé, lié et détruit finalement cette principauté a été relaté par notre invité du jour. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses. Le temps est vraiment court. Sinon, il y a plusieurs autres faits que notre sœur allait nous partager pour voir comment est-ce que les fruits du renversement des principautés ont été abondants dans sa vie. Mais nos téléspectateurs ont écouté, et là, c'est quasiment à moi que les choses étaient relatées. Quelqu'un peut se poser la question de savoir est-ce que c'est encore possible pour moi et est-ce que ce que la sœur Samassi vient de partager, est-ce que la porte de cette grâce et de ces miracles exceptionnels n'est pas fermée? Tu vas t'adresser directement à nos téléspectateurs pour leur faire part de l'assurance que ce que Jésus a fait pour vous, il peut également le faire pour eux. Vous pouvez regarder la caméra. Mais ce que je peux dire aux chers téléspectateurs, aux frères, partout dans le monde entier où nous croyons, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne peut pas faire. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler. Il fait toutes choses. Amen. Il est plus que suffisance. Il opère des miracles. Moi, ma vie a été un grand miracle et les principautés sont vraiment tombées. Comme je disais, le Seigneur a restauré mon mariage. Peut-être si je n'avais pas connu l'œuvre et je n'avais pas participé au renversement des principautés personnelles et familiales, ce géant allait agir comme l'a agi David, mes parents. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que je sois au bon endroit où j'ai vraiment participé et j'ai prié. Et moi-même, le Seigneur m'a restauré en tant que couple. Et le Seigneur a restauré mes parents et le mariage de mes parents. Donc rien n'est impossible. Si le Seigneur a restauré un jeune couple, il peut restaurer ton jeune couple. Si le Seigneur a restauré un vieux mariage, des divorces de longtemps, il peut restaurer pour toi. Je parle de 35 ans. Donc tu peux comprendre que quelque chose qui est mort depuis 35 ans est déjà desséché. Et le Seigneur a ramené à la vie, comme la Bible déclare qu'il ressuscite les morts. Donc, il a ramené à la vie le mariage de mes parents. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Surtout, sois concentré. Et si tu peux venir, viens vite. Ça se passe ici, à Tiekwa. Il y a de grandes délivrances et tu ne vas pas regretter. Moi, je suis quitté en Angleterre
passé par la Turquie et suis venu. Et je suis resté pour vivre encore ce moment. Et je crois que je viendrai encore avec de grands témoignages. Alléluia. Je t'invite à venir participer. Et sois concentré. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus ressuscite. Et il a ressuscité 35 ans de mariage. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, tout est possible. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs que notre premier invité du jour, c'est notre missionnaire de la CMCI entre l'Angleterre et la Turquie, princesse Samassi. Il y a Marie-Josée à ajouter. Nous sommes limités à princesse pour insister sur le fait que c'est une princesse du Seigneur. Amen. Jésus-Christ, le témoignage a été rendu relativement aux fruits découlant de la participation de notre sœur à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, restauration de son mariage qui était troublé par le règne d'une principauté qui a été renversée et restauration du couple de ses parents après 35 ans de séparation, sans compter les conversions massives qu'elle a enregistrées. Elle a même oublié de nous dire que son frère... Oui, j'ai mon frère aussi qui est un missionnaire. Voilà. Là, nous l'avons dit, si nous voulons vraiment égrener tout le chapelet de bénédiction... Et puis, une minute. Il est important pour nous de renverser les principautés. Parce que le rôle des démons dans nos vies, c'est de s'assurer qu'on parte en enfer. Il est important pour nous de renverser les principautés, de chasser les démons. C'est cela. Voilà, je vais ajouter ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir été avec nous pour cette première partie de la croisade, du grand magazine de la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre deuxième invité, c'est notre missionnaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Mexique. Mais bien avant, plusieurs frères sont venus, des délégations d'autres nations sont venues d'autres nations pour prendre part, comme notre premier invité, la Sœur Samassi, à cette croisade. Suivez ce reportage et nous reviendrons tout à l'heure pour la suite de ce numéro du grand magazine de la CRPPF 2022. Devenues internationales depuis des années, les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales touchent plusieurs nations. À cette 14e édition, 10 pays sont représentés, notamment la France, le Mexique, les États-Unis, l'Angleterre, la Turquie, le Cameroun, le Sénégal, la Russie et le Congo, sans oublier la Côte d'Ivoire. Le mercredi 20 juillet 2022, à mi-parcours de la croisade, le pasteur Boniface Meillet, dans la joie d'accueillir cette forte délégation étrangère de près de 40 frères, les a permis de se présenter à l'église de Côte d'Ivoire. Pour le pasteur Albert Congo, missionnaire de la CMCI en France, c'est un honneur et un privilège d'écrire avec les frères ivoiriens l'histoire d'Atiekwa. Gloire à Dieu. Je vous salue tous. Je suis là parce que je voudrais écrire l'histoire d'Atiekwa avec vous. Heureux de participer à la croisade, ces frères apportent aussi leur contribution, et ce, à tous les niveaux. Vu les efforts consentis en quittant leur pays d'accueil pour arriver sur la terre d'Atiekwa, le Seigneur les récompense en leur accordant des délivrances et des bénédictions. Logés pour certains dans un espace aménagé à la maison de prière de toutes les nations de Côte d'Ivoire et pour d'autres dans certains endroits, le pasteur Charles Biaï, responsable du comité accueil et hébergement, rassure. En ce qui concerne le comité hébergement, il faut dire que la priorité que nous avons peut-être, c'est l'hébergement des délégations étrangères, des frères qui viennent de l'étranger. Mais nous associons aussi nos frères qui sont à Abidjan, que nous logeons aussi dans certaines conditions à Atiekwa. Spécialement pour cette croisade, nous avons environ 40 frères qui viennent de l'étranger. Pleuement sur le site, la capacité d'accueil est limitée. Au niveau du TAM, nous n'avons que 5 chambres qui accueillent les frères. Et ici, nous avons la maison de prière que nous avons destinée à pour le moment accueillir les frères, dont les travaux sont en cours. Et notre responsabilité, c'est d'accueillir les frères au niveau de l'aéroport et de les loger. Et Dieu nous a bénis, nous avons une équipe des frères disponibles qui ont des véhicules. Lorsque les frères viennent de l'étranger, nous partons les accueillir à l'aéroport
et nous venons les loger. Il faut dire que ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous a bénis avec des frères disponibles, merveilleux. Et les choses avancent bien. Je pense que les frères sont bien logés. Les frères ne se plaignent pas. Moment de partage, de communion fraternelle, les frères venus de l'extérieur se sentent chez eux. Et comme de vrais enfants de Dieu, ils s'adaptent à tout. Je bénis le Seigneur pour les frères de Côte d'Ivoire. L'accueil a été bien. Donc il y a le frère, c'est Eric, qui m'a pris à l'aéroport pour le centre d'Adjamé. Et d'Adjamé, il y a un pick-up qui m'a pris pour le quartier général. Et vraiment, je bénis le Seigneur déjà pour mon logement au quartier général. Parce que le déplacement d'Adjamé pour Atiekwa, j'ai trouvé ça un peu long, les embouteillages. Donc, lorsqu'on m'a logé au quartier général, j'étais très content. Et ça se passe très bien. Nous sommes dans un dortoir nouvellement construit. Certes, c'est la maison de prière, mais nous inaugurons les lieux. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Le ministère a commencé. Je suis béni. Et je suis également très béni par les soirées de réception par le leader de la CMC Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meunier. Ce sont des banquets de gloire. Comme j'ai dit à quelqu'un hier, lorsque le Seigneur t'aime, il t'amène en Côte d'Ivoire en cette période. Bon, on ne peut pas, moi j'aime le dire assez, hein, les Ivoiriens avaient l'accueil. Donc il n'y a pas mieux. Donc ça va, on est à l'aise. C'est la même vision. Je suis comme si j'étais à Koumé. Donc il n'y a pas de problème. La fraîcheur, le cadre, c'est bien, c'est agréable. Vraiment, on a pris toutes les dispositions. Beaucoup de froid, mais on nous a gardé les couvertures. Tout va bien en tout cas. Tout va bien. Nous sommes reçus. On nous a reçus. La réception, vraiment, tout est parfait. C'est vraiment Koumé. Je suis comme à Koumé là. Je suis à la même maison, je suis à l'aise. Vivement, l'édition 2022 prédit déjà la participation massive des frères de l'extérieur les années à venir. Vous venez de suivre le reportage qui montre la participation des délégations venues des autres nations pour prendre part à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 14e édition, une croisade qui confirme le caractère devenu international de ce grand rendez-vous. Et nous avons pour second invité du jour notre missionnaire au Mexique, le pasteur Ortega Dovoedo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, frère Pascal. Voilà, c'est votre première participation présentielle, oui, aux croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Mais vous avez eu à suivre avant cela les croisades en ligne. Quelle est la distinction que vous faites? Comment est-ce que vous avez découvert les croisades? Et quelle est la distinction que vous faites entre les croisades suivies en ligne et les croisades suivies en direct, en présentiel? Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Comme tu l'as dit, c'est ma première participation en présentiel. Mm-hmm. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu déjà à suivre les croisades dans les années passées. Il y a eu des années où on pouvait suivre en direct, comme l'année passée, ou des années où c'était la rediffusion que je pouvais suivre. Mais je ne me rappelle pas vraiment comment j'ai découvert, parce que ça fait quand même un peu de temps. Mm-hmm. Maintenant, la différence entre suivre en ligne et être en présentiel, il y a une très, très grande différence. C'est cela. La différence est énorme. Pourquoi je dis cela? Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, bon, ils peuvent suivre, être concentrés en ligne. Mm-hmm. Mais moi, mon niveau personnel, bon, je n'étais pas concentré. C'était difficile d'être concentré. Donc, pour moi, c'était mieux d'être en place. Et quand je suis là en place, ce que je découvre est très, très grand. Je m'exprime. Déjà, c'est ma première fois d'être également aussi dans la CMC en Côte d'Ivoire. L'accueil des frères, la chaleur, l'hospitalité m'a vraiment béni. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses que tu apprends dans le caractère des frères, ainsi de suite. Ça, c'est une chose. La seconde chose également aussi, ma présence ici, le fait d'être présent, tu reçois, parce qu'il y a certains jeux qu'on voit, des gens qui manifestent, on voit les rangs de ministères, tout ça, parce qu'il y a une grande équipe qui est mise en place pour se rassurer pour des ministères distincts que les gens reçoivent. Ça, c'est une chose.
une chose également aussi, le fait d'être présent te met dans une certaine concentration. C'est comme Dieu est en ligne, ça, on ne refuse pas cela, mais là, le fait d'être présent, il y a une autre atmosphère qui est créée. C'est fait que tu es plus concentré, les prières sont plus directes. Donc pour moi, il y a beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, on est déjà à la 24e journée. J'ai déjà fait 21 jours. J'ai déjà fait 3 semaines. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Mm-hmm. Beaucoup de libération. C'est vrai que je n'ai pas encore rendu témoignage pour certaines choses. Les témoignages viennent. Tesla. Mais beaucoup de libération, frère Pascal. Voilà, et vous participez à la croisade en présentiel pour la première fois. Vous avez déjà fait part des motivations, la participation à cette croisade en présentiel. Une chose intéressante, vous avez parlé de beaucoup de témoignages que vous pouvez rendre, mais nous avons été témoins d'un miracle que vous avez expérimenté au niveau d'une douleur que vous avez au bras. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances qui ont créé d'abord cette douleur et comment est-ce que le Seigneur vous a authentiquement délivré pendant cette édition 2022 de la croisade, cette édition 2022 effectivement? Bien sûr. En fait, il y a eu quelques mois au Mexique, j'avais eu un choc au niveau de mon bras. Mm-hmm. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti voir un thérapeute parce que j'avais vraiment mal au niveau de mon bras. Et c'est là, paraît-il, que j'étais déboîté. Et il m'a essayé de remettre ça, mon bras, à son niveau. Et j'avais aussi vu en ligne, sur Internet, que quand tu as un choc pareil, et même quand on remet le bras, il faut faire très attention parce que ça peut sortir. Comme c'est déjà sorti une fois, tu peux avoir de nouveau ce problème, en fait. Donc, et on était en train de prier, et on commandait avec les prières d'autorité. J'ai commencé à sentir vraiment une douleur au niveau de mon bras. J'avais du mal à manipuler le bras, j'étais là. Et c'était les prières de guérison qu'on faisait. Mmh. Et après, papa, le missionnaire a demandé qu'on s'asseye et qu'on reste concentré. Il a demandé à ceux qui veulent rendre témoignage, viennent rendre témoignage. Il dit, soyez concentrés parce que le Seigneur est en train de travailler. Les anges sont là, ils sont en train de travailler. Et puis, à un moment donné, je suis concentré. Je ne commence pas à sentir au niveau de mon bras comme un tic, tic, tic. Mmh. Et je me dis à l'intérieur de moi, est-ce que je suis en train d'être guéri ou quoi? Et puis, je suis assis, quelque chose me dit, bon, attends, demain, quand comme le pasteur insistait, que les gens viennent rendre témoignage, je me disais à l'intérieur de moi, non, demain, j'attends. Et puis, à un moment donné, je sens comme si donc je suis bien. Et comme il insistait, je me suis senti tellement comme si c'était comme si c'était moi qui parlais. Mm-hmm. Et je me suis levé pour aller rendre témoignage. Et j'étais tellement content parce que la douleur a disparu, la douleur que je sentais. Et il faut dire que depuis ces jours jusqu'à présent, je ne manipule plus correctement mon bras. Moi, je suis content. Alléluia. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette action dans votre vie. Vous avez expérimenté ce miracle, mais après... Vous êtes venu, nous le rappelons, depuis le début. J'étais là depuis la quatrième journée. Depuis la quatrième journée. Donc, on peut dire que vous avez déjà participé à 21 jours, y compris aujourd'hui. Ah, y compris aujourd'hui, ça fait 21 jours. 3 semaines. Quel est le point que vous faites par rapport à votre séjour ici en Côte d'Ivoire, relativement à la croisade et certainement pour d'autres aspects qui ont motivé votre présence ici en Côte d'Ivoire? Oh, frère Pascal, cher ami, il s'est passé. Déjà, comme je disais, je suis très béni par la structure, comment Dieu a conduit notre cher papa, le pasteur Boniface Meunier, la structure de l'œuvre ici. Déjà, quand tu vois, déjà en ligne, il y avait quelque chose qu'on voyait souvent en ligne, quand les gens rendaient témoignage. On m'a prêché l'évangile, j'ai fait ma repentance, la vraie repentance, je me suis fait baptiser, on a fait le brisement des liens. Donc c'est comme une chanson, si je m'explique comme ça, qui revient dans la bouche de chacun. Et quelqu'un qui suit en ligne, comme un missionnaire, tu te poses la question, mais comment ça se fait cette affaire de j'ai fait ma repentance? Et une fois aussi, j'ai également suivi un témoignage de maman Colette Ministère, comme sur un plateau, tu lui posais des questions. Et elle faisait part que chacun des gens faisait les jeûnes de 3 jours complets ou 7 jours passés pour la repentance. Et j'avais compris que c'est comme s'il y a un cahier qu'on préparait, tout ça. Donc en ligne, pour moi, j'avais essayé de formater, bon, parce qu'il fallait, quand tu vois un modèle qui marche déjà, comment faire pour pouvoir l'implémenter au niveau du Mexique. Donc, c'était je voulais savoir comment ça se passe. Et quand je viens ici, je vois ça vraiment en live, je vois comment les gens rendent, la façon dont les gens rendent ministère te bénit. Mm-hmm. L'équipe en place pour aider les gens, également aussi le brisement de liens systématique. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà reçu le brisement de liens quand je suis venu ici. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà passées, parce que j'étais venu avec... Le renversement des principautés, c'est vraiment
une réponse, c'est une grande révélation que Dieu a donnée au pasteur Meunier. Parce que c'est une solution pour les désenvoûtements, la sorcellerie, ce que nous vivons dans nos pays. Ce n'est pas seulement en Afrique, hein, parce que la sorcellerie est universelle. Donc, pour moi, au niveau personnel, après le brisement des liens, il y a des rêves que j'ai eus, même pendant que nous prions, des choses que tu expérimentes sur place, tout ça, la libération même intérieure. Donc, au niveau personnel, je suis très, très béni pour ce bilan. Je ne dirais pas que j'attends, mais je sais que Dieu est encore en train de travailler. C'est que je rendrai un grand témoignage avant de quitter. J'ai encore, on a encore, je dis c'était le 24, on a encore 16 jours encore passés, au moins 2 semaines encore, ici à faire les prières chaudes que nous faisons. L'ennemi est secoué. J'étais venu aussi dans un, parce que aussi avec le champ de mission, il y avait certaines difficultés intérieurement, j'étais aussi beaucoup brisé, papa, beaucoup de choses, tout ça. Donc, quand j'étais venu, il y a beaucoup de messages qui m'ont comme remonté. Alléluia. Il y a des choses que je ne pourrais jamais imaginer qui étaient dans ma vie si je ne venais pas en Côte d'Ivoire sur ces croisades. Et déjà aussi, il faut dire que j'avais très lutté pour venir. Parce que ça fait depuis 2020 que j'étais en train de courir comme presque derrière Pasteur Meunier. Il faut qu'on ait un contact. Et puis, avec le pasteur Traé, l'année passée, je devais venir en 2021. Mais pour des problèmes d'organisation, et tout ça, je n'ai pas pu être là. Cette année pour venir, c'est à la troisième expérience que j'ai venu, que j'ai pu être là. Allez, la première fois, j'avais acheté mon billet et il y avait l'agence nous avait joué un tour. Je devais être là normalement le 19 juin. J'avais prévu venir tôt et partir le 11 juillet. C'est ce que je prévoyais. Donc, c'est la main de Dieu parce que toujours concours bien ce qui aime Dieu. J'ai pu reporter le vol pour Cancun, Paris, pour venir à Abidjan pour le 2 juillet, ça par la grâce de Dieu. Et là, c'est là j'arrive maintenant le 4. Maintenant, mon retour, c'était comme si ce n'était pas un vol aller-retour, j'avais acheté les billets à séparer, ces billets séparément. Donc, le billet retour, c'est pour le 11 juillet. Donc, quand je viens, j'ai fait seulement 7 jours. Et je dis non, il faut que je reporte mon vol. C'est là que je réfléchis, finalement, par la grâce de Dieu, on a trouvé un vol retour pour le 12. Et là, je suis très bien. Je me rends compte que si je devais faire 7 jours, ce n'était pas bien. Quand vous dites le 12, c'est le 12 août. Le 12 août. Waouh. Le 12 août. C'est-à-dire, je fais. Les 37 jours, parce que j'ai raté les 3 premiers jours en présentiel. Bon, c'est vrai que j'étais aussi en voyage, en déplacement, mais pas pu suivre certaines journées. Mais j'aurais fait les 37 derniers jours de la croisade. Donc, je suis très, très content parce que je dis que waouh, je ne regrette pas. C'est cela. J'aurais pu regretter si je me rendais compte que je partais le 11. Je dis waouh, il y a encore beaucoup de jours à faire. Waouh, avec tout ce que je vois ici, comment j'aurais souhaité expérimenter cela. Donc, frère, je suis très, très content. Déjà pour les ministères personnels que je reçois au niveau personnel, également aussi un suivi vraiment personnel. Et par la grâce de Dieu, j'ai également aussi des rencontres personnelles avec le leader pour ce qui est de l'œuvre. Parce qu'un des aspects aussi de mon voyage aussi, c'était aussi voir, apprendre de l'œuvre en Côte d'Ivoire pour voir comment nous rehausser. C'est ça, répercuter exactement, voilà, parce cela que, voilà, au Mexique. Au Mexique, donc c'était aussi un de mes défis ou un de mes objectifs pour ce voyage en fait. Et avec tout ce que vous avez appris et tout ce que vous constatez, certainement vous avez peut-être lu le livre « Renversement des principautés », mais avec tout ce que vous apprenez, pouvons-nous dire que vous avez une arme pour booster en quelque sorte la conquête au Mexique? Bien sûr, j'ai mon cahier de notes, la seconde partie quand je le tourne. Ça, c'est les leçons apprises en Côte d'Ivoire et là aussi des choses que je dois faire dès que j'arrive au Mexique. Il y a beaucoup de choses, mon frère. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses. Déjà en termes de la façon dont les ministères sont rendus et également aussi le renversement des principautés personnelles et familiales. Les prières de supplication, d'intercession et d'autorité que nous faisons ici sont très puissantes. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses que je suis déjà, mises en place pour savoir comment, dès que je rentre au Mexique, comment nous allons commencer par travailler par rapport à cela. C'est ça. Voilà, donc les choses sont bien claires. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales sera certainement répercutée au Mexique, en plus de toutes les leçons apprises à partir de votre observation personnel. Oui. Certainement, nous avons des frères
qui vont suivre peut-être en indifféré à partir du Mexique cette émission. Oui. Vous avez appris beaucoup de choses et il y a encore, je dirais, 18 jours par rapport à votre séjour, c'est ça? 16 jours pendant la croisade. J'ai encore 16 jours pour terminer la croisade. 16 jours, oui. Vous devez rentrer le, comme 12. Vous avez dit, le 12, donc oui. 19 jours ça total. Fait 19 jours au total. Oui. Vous êtes plus bon mathématicien que, que le plus littéraire que je suis. Vous avez certainement un mot à adresser à vos frères qui pourront, vos frères et prébis et toute connaissance qui pourrait vous suivre. Quel est le mot que vous pouvez, quels sont les mots pardon, que vous pouvez adresser En espagnol, n'est-ce pas? Bon, je pense que si vous allez traduire après, là, okay. Ça nous rassure. Pour qu'eux puissent me comprendre, c'est en espagnol. C'est cela. Ok. Buenas tardes, hermanos. Aquí estoy en Costa de Marfil. En este programa de la cruzada de oración para el derrocamiento de los principados personales y familiares. Y ya hace casi 21 días que estoy aquí en Costa de Marfil orando a nivel personal por mi familia, por la liberación, también por la iglesia. Ya saben que hemos tenido al inicio del año este programa de oración que hemos tenido de 21 días. Aquí estoy en ese país para poder aprender de ese pastor. De dónde viene todo este esta gran bendición que Dios nos ha dado como ministerio. Y quiero asegurarle que cuando regreso a México vamos a vivir experiencias famosas. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes. Amén. Amén. C'est dit, amén. Amén. Ok, donc le téléspectateur certainement se pose la question de savoir qu'est-ce qui a été dit, si on peut juste résumer en français. Pour nous autres. Oui, bon, j'étais en train de les saluer. Bon, je disais que je suis en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut noter qu'au début de cette année, on avait eu la croisade de ramassage de principauté personnelle utilisant la croisade de 2017. Allez, parce qu'on y a le matériel, donc je devais traduire. Donc les frères savent déjà le pasteur Boniface Meunier, parce qu'on a même le livre, le brisement des liens a été traduit en espagnol. Donc j'étais en train de dire, je suis ici, en Côte d'Ivoire, dans le pays du pasteur Boniface Meunier. Et nous sommes ça fait déjà 21 jours que j'assiste à ces croisades de renversement des principes personnels et familiales. Mmh. Et que dès que je serai de retour au Mexique, nous allons vivre des expériences extraordinaires, des choses fameuses se passeront. Donc, alléluia. C'était ça ce que je disais. Voilà, donc merci beaucoup, pasteur Ortega. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous l'avons dit, il reste encore 16 jours de combat, de bataille. De bombardement. De bombardement, comme un agneau a eu à le dire, je crois, hier. Oui. Et le Seigneur étant fidèle, nous croyons que toutes ces promesses rattachées à ce programme de manière générale, mais toutes vos attentes et les fardeaux que vous présentez au Seigneur pendant cette croisade seront tous exaucés. Et nous vous donnons rendez-vous. Comme vous êtes là jusqu'à la fin, nous pensons que nous aurons à faire avant un autre entretien, pourquoi pas, pour faire le point. Voilà, pour faire le point et vraiment que le Seigneur vous bénisse encore et nous le répétons. Bonne suite de croisade. Merci à toi, frère Pascal. Dieu te bénisse. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous étions pour la première partie avec notre missionnaire entre l'Angleterre et la Turquie, la sœur princesse Samassi. Avec elle, nous avons parlé de toute son histoire avec la croisade qui lui a permis de récolter de grands fruits en termes de conversion des membres de sa famille, de restauration du mariage dans sa vie et dans sa famille. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Ensuite, nous sommes avec, ou nous étions avec le pasteur Ortega de Voedo, notre missionnaire au Mexique, avec qui nous avons parler de sa participation, sa première participation en présentiel à cette croisade et tous les fruits qu'il a déjà récoltés et toutes les attentes que le Seigneur est en train de satisfaire par rapport à son séjour ici en Côte d'Ivoire. Jean-Christian Toili et Jocelyn Cabran étaient à la réalisation. Hubert Dakoury et Bertrand Yao étaient à la caméra au niveau du son. Amisha, Louis Gérard et Tanguy Esdras est suivi également de Michael Niali. Nous disons merci à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour nous permettre de mettre à votre disposition ce délicieux plat de
du grand magazine La Croisade. Rendez-vous est pris pour demain. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À très bientôt. Thank you.